c'est Flo Jumper, j'espère que vous allez bien écouter. Moi, ça peut être quelqu'un d'habitude aujourd'hui. Les amis, on se retrouve pour une nouvelle petite map Minecraft nommée Find the Buttons. Ou plutôt Find 10 Buttons. Ouais, ça le fait mieux quand même, hein, ça le fait mieux. Et cette map, les amis, est créée par Vaza et je suis en 1.10. Alors, comme vous l'avez deviné, les amis, on va devoir trouver des boutons. Et vous le savez, maintenant, je suis un professionnel. Hein, je suis vraiment un chasseur dans ma fonction de trouver les boutons. On ne peut plus rien me cacher. Ou alors peut-être vais-je encore en apprendre aujourd'hui des belles petites cachettes. C'est ce qu'on va voir. Alors on y va tout de suite. On perd pas de temps. Je vois qu'il y a beaucoup de panneaux. C'est bien, le créateur aime beaucoup écrire. Ok, très très bien. Alors donc on a un bouton par niveau, bien évidemment. Donc il y a 10 niveaux. Ils sont vraiment bien cachés. Il faut absolument ne rien casser. N'est-ce pas, Fury Jumper? Quoi? Qui m'a parlé? Qui m'a parlé? Non, moi je ne cache jamais rien. De toute façon, je suis en mode aventure. Comment voulez-vous que je casse quelque chose? Attention, I should not help. D'accord. Halt bouton et Helen, d'accord, donc tout est caché. Bon, écoute, on va y aller à l'aveuglette, ça sera même mieux. Oh, make sure you read every word behind this wall. J'espère que tu as bien lu tous les panneaux derrière. J'ai bien lu, j'ai vu qu'il y avait effectivement des bouquins hein, qui étaient cachés dans des coffres. On dirait que quelqu'un m'observe les gens, j'aime pas trop ça. Bon, c'est parti, je suis prêt. Ok, le mode aventure, c'est parti, baby, level 1, warm up time. Ok, alors, avant toute chose, on va voir s'ils n'ont rien caché dans la pièce principale du spawn. Parce que des fois on se dit, bon, allez on avance et tout. Et puis en fait, ça se trouve, c'est planqué là, tu vois, derrière le truc. Mais non. Bon, d'abord, il nous a pas bien pigé là-dessus, c'est bien. Alors, oh. Attends, c'est tout? Sérieusement? Ah, sérieusement là? Attends, tu crois? Attends, tu as cru me faire la planque de derrière la porte? Mais je connais ça, monsieur. Je connais. Et j'ai même pas besoin du bouquin pour trouver justement la solution. Parce que oui, hein, le bouquin sert à ça, hein, qu'on peut trouver dans les coffres. Hein, c'est pour nous donner des indices. Bon, alors ensuite, comment j'ai démonté le premier niveau qu'on avait laissé tomber. Bon, putain, c'était le premier niveau. Bon, on arrête de se la péter. Attendez, il y a un coffre. Il y a... Ouh, attends, on peut monter sur l'arbre. Attends, on va fouiner un petit peu. Bon, les citrouilles, à mon avis, c'est sûrement pas en extérieur. Sinon, le mec, pourquoi? Attendez, on va faire marcher la logique. Pourquoi le mec, il serait embêté à faire un manoir si c'est pour mettre le bouton en extérieur? Mais bon, on va quand même regarder, on va jeter un coup d'œil. On va voir un petit peu. Non. Clairement, ça a pas l'air d'être là. Bon, hop, on essaye quand même de venir. Voilà. Donc, ça confirme bien la chose. Le bouton n'est pas sur l'arbre. Alors ensuite, on va continuer. On a un coffre. Attends, y'a rien de caché là, parce que ce coup du coffre... Ce coup du coffre, je le connais par cœur. Je le connais comme si c'était moi qui l'avais fait. Note, only time you find are you less. D'accord, tout ce que tu trouves est simple. D'accord, ok, est utile plutôt, ouais. Ouais, ça aurait été un truc comme ça, mais de toute façon, oui. Oui, mais non. Attends, y'a rien derrière le coffre là? Ouais, c'est ça, ouais. Alors après, l'indice n'est pas interdit. Je tiens à le dire. Ah, donc bon, alors on va voir là-haut. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Non, il n'y a rien. Oh, c'est un coffre piégé. C'est étrange. C'est étrange. C'est beaucoup trop étrange. On va pas péter les cadres. On n'a rien le droit de casser. Parce que d'habitude, moi je pète toujours les tableaux, tu sais. On essaie de passer. Non, ça fait rien. Voyons voir ici. Qu'est-ce qu'on a? On a rien du tout. Est-ce qu'on aurait un truc planqué avec le tableau? Planqué avec le tableau. Attends, on va spam-click. Spam-click. Je fais encore la visite. Je fais encore la visite d'une magnifique maison. Attends, il y a un carpet. C'est bizarre. C'est bizarre. J'ai l'impression qu'il y a des bordures. Mais ça, c'est à force de faire des maps hide and the button. Hein. Là, c'est... Attends, je deviens fou, hein. Je vous jure, je deviens fou. Alors là, pour le coup, il y a un peu plus de difficultés. Je vous l'accorde. Mais on va trouver. Alors, à mon avis, ça a peut-être un rapport avec les tableaux. Mais lequel le tableau? Je me demande. Oh, attends, peut-être là. Attends, là, d'accord, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Ça se trouve, il a caché un truc derrière un tableau. Et là, peut-être. Attends, fais voir, non. Ok, rien du tout. Et là, au-dessus, est-ce qu'on aurait un truc? Non, on n'a rien, alors on n'a rien dans les coffres. On n'a absolument aucun indice. Le seul indice qu'on a, c'est ça, ce panneau-là. Est-ce qu'il y aurait quelque chose derrière la maison? Est-ce qu'on pourrait aller derrière la maison? Je crois que oui, on peut y aller derrière la maison. Alors, on peut y aller par ici. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc de plan? Oh! String is used to stop vine and sugar. Ok, les ficelles sont utilisées pour stopper l'espèce de liane et canne à sucre. Ah ah! Aurait-il utilisé ceci? Oh! Il y a un coffre. Ouh, un petit indice. Alors, voyons voir un petit peu la devinette. Donc, hint is on the page 2. D'accord.
L'astuce, alors, it's in the house. Ok, merci beaucoup. Alors, on peut avoir la solution à la page 3, mais on va pas se la donner. On va pas se la donner. Alors, la solution, c'est, l'astuce, c'est, en gros, c'est dans la maison. Bon, très bien. C'est dans la maison, super, cette maison va me rendre fou. Autant le premier niveau, je l'ai torché en 2 secondes, et là, j'y arrive pas, mais là, c'est pas sous le bureau, c'est clair, c'est pas au niveau des coffres. Moi, je pensais au début qu'il l'avait mis au niveau des coffres, et les tableaux qui servent à rien, parce que, je les ai torchés les tableaux, vous êtes témoins, hein. D'ailleurs, celui-là, j'ai peur, je croyais qu'il allait changer, j'allais dire, what the fuck, sérieusement. C'est un truc de fou. Il y a un truc au-dessus, non? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça se trouve sous les carpettes. Non, sous les carpettes, il n'y a rien. Là, je crois que j'avais pas regardé, mais on n'a rien du tout. Et moi, je suis persuadé que c'est derrière un tableau, c'est sûr. Oups, pardon, j'ai pris le truc. Oh, c'est là. Nope, too easy. Oh non, c'est pas ici. Oh, donc ça veut dire que c'est derrière un tableau. Donc c'est bien derrière un tableau. Alors attends, ça se trouve, je me suis mal pris. Allez. Allez! Oh là 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 là! Allez, passe par là, passe. Ok, bon, très bien. Et là. Oh! Bien joué! Alors là, pour le coup, celui-là était bien planqué. Mais c'est pas juste parce que j'ai fait le tour de tous les tableaux depuis le début! Oh, on a la nuit. Alors par contre, c'est bien beau la nuit, mais j'aime pas trop ça, moi. On va peut-être l'enlever, hein. Voilà, c'est bon, je l'ai enlevé. Hein, ça sera mieux comme ça. Hein. Je préfère le jour. Même pour vous, c'est mieux. Bon, alors, le désert. Encore le désert. Je déteste le désert. Parce que, bon, les mecs, ils peuvent planquer les moutons dans la lave, vous savez, à l'aide de petits panneaux, etc. Tu vois. Et d'ailleurs, on va regarder si on peut. Alors, je me demande si on peut mourir. Je me demande. Ah, ça serait pas la dernière. C'est sûr. On va continuer. Hop, la dernière, rien du tout. Oh, on peut grimper là-haut. On va voir un petit peu. On a une forteresse. Très bien. Bonjour, la forteresse. Comment allez-vous? Nous avons rien du tout. D'accord, très bien. Très bien, très bien, très bien. Vous voulez vous cacher, c'est ça? Vous voulez... Oh, il y a un coffre. Hit level. Attention. Hit beside some fire. C'est derrière du feu. Oh! Derrière du feu? Haha! Je crois savoir aussi, alors. Attention, il y a des flammes partout ici. Derrière du feu. D'accord. Non. Oh. Oh! Oh, c'était bien caché, mais pas assez pour moi. Oh, ok, bon, bah d'accord, ça a remis la nuit. Ok, ok, bon, bah d'accord, j'ai pas le droit de vouloir mettre le jour. Alors, la neige. Ah, je connais la technique de la neige, toujours planqué derrière des petites couches de neige. D'ailleurs, là, ah, tu as une bonne idée. Tu as une bonne idée. Ah, c'est tout? Bah, merci. Ou alors peut-être caché derrière une couche de neige en dessous d'un arbre. Pas du tout. Et là, on a... un squelette, c'est quelqu'un qui s'est amusé à chercher également le bouton, mais il est resté tellement longtemps bloqué qu'il est mort. le pauvre, c'est pas drôle, mais bon, voilà, ça me fait... Oh, attends. Qu'est-ce que tu fais là, petit? Oh yeah, level 5. Trop cool, attends, on va remettre le jour. Ça va pas changer grand-chose, mais bon, attends. Voilà, on sait jamais, hein, ça change pas grand-chose, mais bon, ça met un peu plus de lumière. Alors, la petite mine. Alors, on a quoi? Une source. On a une petite source. Alors, est-ce qu'elle monte très très haut ou... Je crois qu'elle s'arrête. C'est une source qui ne sert absolument à rien. On va regarder au cas où c'est planqué derrière l'étoile d'araignée. Pas du tout. All or you find are useless. D'accord. Ok, très bien, je note. Il y a quoi dans le coffre? Du minerai. Ça marque un truc. C'est quoi ça? Lion? Liol? Attends, ça veut dire que... ça signifie quelque chose. Qu'est-ce qu'on a là-haut? Oh, une petite base planquée. Je vais dévaliser tout. Ah, y a rien du tout. What the fuck? Comment ça se fait qu'il y a 2 champignons dans le pot? Y a un bug. Il y a un bug. Ah, on a un coffre. Oh, une note. Attention. It's by some microtries. Oh, le petit indice. Alors, c'est pas la solution, hein, je vous rappelle. C'est juste un indice. Planqué derrière un rail. Quoi est-ce que ça pourrait être? Faut trouver un rail. Attention, je reste. Hey, je me suis bloqué la tête dans la toile d'araignée. Ouais, un petit peu. Là, on a des rails. Et là, on a un coffre. D'accord, et si je pousse le wagonnet? Ça ne fait rien.
Est-ce que je peux me mettre dans un wagonnet? Non, je peux pas. J'ai pas l'impression que ça fasse grand chose, hein. Attends, je vais relire l'astuce. Voyons voir un petit peu. It's by some market rides. Ah, d'accord. Ok. Ça a un rapport avec les rails, mais c'est pas forcément caché avec les rails. Au début, il y avait des rails, non? Je crois qu'il y avait des rails au début. Ah, les cachettes! Hein, on ne peut rien leur cacher, lol. Alors, il y a les rails qui sont activés ici. Mais là, on n'a pas de minecart, hein. On n'a pas de minecart. Mais là, on a des... Bon, là, c'est fermé, donc on ne peut rien avoir là-dessus. Mais c'est un rapport avec les rails, mais pourquoi? Là, ça marque quoi? L, I, U. Ou c'est un W. Et là, on... j'arrive pas... Ah, attends! Liol. Alors là... j'arrive pas à comprendre, hein, franchement. Ou alors, ça se trouve, ça se lit vraiment comme... Non, ça se lit pas comme ça. Ça se voit que c'est à l'envers. C'est trop bizarre. Trop bizarre. Alors là, par contre, c'est pas mal. À mon avis, peut-être c'est un rapport avec les... Avec la lave. Ouais, non, ça fait très mal. Ça n'a rien à voir avec la lave. Et là, on n'a rien dans les fourneaux. On peut rien faire chauffer, on est d'accord. On peut rien poser. De toute façon, on peut rien casser. Donc, c'est bien planqué. C'est bien planqué. Mais alors, attends, ça veut dire, ça se trouve que c'est un rapport avec là-haut, là. Ce qu'il y a ici. Et si on prend tout ce qu'il y a là-dedans? Et là, qu'est-ce qu'il y a ici? Ça se trouve, ça active un truc. Vas-y, doucement. Non, ça active rien. Et est-ce que je peux aller dans le wagonnet? Ah, mais j'ai pas le droit de casser les trucs, je crois. J'ai pas le droit de casser les trucs. Alors là, par contre, si j'ai pas le droit de casser les trucs, comment je fais? Parce que si ça se trouve, en fait, on peut aller derrière le mur. Mais je pense pas, hein, je... Oh! Ça voulait dire it's by some Minecraft toy, je pense que... Oh! Comment c'était trop bien planqué, quoi! Oh, pas mal. Alors là, par contre, bien joué. Alors là, c'était vraiment bien joué. J'avoue, même avec... Eh, les astuces, ça sert pas grand-chose, hein, quand même. Ça sert vraiment pas grand-chose. Enfin, ça sert un petit peu. Ça sert un petit peu. Ça vous mène un peu sur la bonne voie, mais on peut pas dire que c'est du cheat, hein. Public crafting and run, public... Ok, d'accord. Donc ça, ce sont des choses publiques. D'ailleurs, il n'y a pas un truc planqué derrière. Ouais. Allez hop, ça c'est fait. C'est fait. Alors, c'était le level 6, pardon. J'ai confondu avec le level 5. Have fun with this one. Ouais, c'est un creeper. Est-ce qu'on peut faire péter les creepers? Il y a un truc avec les pistons. Il y a un levier là-bas. Pouvez-nous activer ce levier? Aha. Effectivement. Est-ce qu'on peut activer celui-là? Ouais. Oh my god. The ultimate challenge. Attends, mais comment tu veux que j'ouvre cette porte? Il y a de la redstone à fond les ballons là! Je vais péter un plomb! Alors, attends, réfléchissons. On a ça qui va activer. Déjà. Voilà. Là, on a activé. Oh, il y a une. Ouais, on va pas. De toute façon, ça sert à rien. Je regarde. Oh, start here. Oh! Déconne! Ah, déconne pas là. Ok. Alors, ça charge. Waouh! Faudrait peut-être activer tous les leviers. Bah déjà, ce serait une bonne chose. On va activer tous les leviers. Voilà. Il y a déjà un peu plus de puissance. Là, on va charger le repeater. Même si je suis pas sûr que ça va servir à grand chose. On va activer tous les leviers. En mode le délire. Voilà. Et celui-ci. Ok. On va voir s'il n'y a pas d'autre levier qui n'est pas activé. Activé, activé. Ok, donc là, vraiment tous les leviers sont activés, quoi. OMG. OMG. Alors, est-ce qu'on pourrait activer autre chose? Levier là-bas est activé. Ok, ça ouvre juste la porte, quoi. Très bien. Oh, ce niveau de fou. Oh, le niveau de fou. Ça se trouve, le bouton, il est planqué ailleurs. T'sais. Ah, il y a un truc là, on peut descendre. Oh! C'est marqué un truc, j'arrive pas à le lire. Alors les amis, les amis, il s'est passé un truc de malade. Il s'est passé un truc de fou. Parce qu'en fait, vous êtes d'accord avec moi. Là, j'ai fait ma petite ellipse exprès pour chercher tous les leviers activés. Parce que sinon, on en aurait pour des heures. Et en fait, j'ai trouvé la solution. Alors j'ai dû me mettre en game mode pour revenir dans le niveau. Parce qu'en fait, attendez, je vous explique. Calmez-vous, calmez-vous. En fait, tout ce que j'avais effectué depuis le début ne servait quasiment à rien.
Je vous explique. En fait, au moment où je vous ai quitté, je suis venu là. J'ai cherché à petit peu près les leviers, à savoir s'il n'y en avait pas d'autres planqués. Et je suis venu là. Je me suis dit, oh, c'est beau, il y a une tour de lumière. Et je me suis amusé à l'activer, la désactiver, ça ne faisait absolument rien. Et à un moment, j'ai cliqué sur ce bouton-là, enfin sur ce levier-là. Et ça a désactivé, et j'ai entendu un bruit-là, et en fait, ça a tout simplement replié ce piston-là. D'accord? Sauf que... Je me suis dit, bah attends, c'est bizarre. Alors du coup, j'ai réactivé ce petit levier. Et là, du coup, on ne voit rien. Vous êtes d'accord avec moi? On ne voit absolument rien. Je me suis dit, à tous les coups, derrière ce piston-là, il y a un levier qui va activer le système de redstone, qui va me permettre, je ne sais pas, de... ou un command block qui va me permettre d'ouvrir ces portes-là. Parce que pour moi, c'est sûr, c'est là la sortie. Et ben non. Quand je me suis amusé à cliquer dessus, comme ça, je te mets là, regardez, tu fais ça, et ben voilà. Ça m'a mis niveau 8 direct. Donc voilà, donc bon, je suis revenu au level 7 parce que bon bah je croyais que ça allait activer un levier, en même temps je pouvais pas le voir, voilà. Donc bon, je me suis dit bah je vais quand même le filmer ce truc là, non mais oh. Bon, alors je vais continuer. Donc j'étais sur la bonne voie, sauf que c'était vraiment bien planqué. Vraiment bien planqué. Alors on a un cake. Très bien. Est-ce qu'on a... Attends, est-ce qu'on a pas un truc planqué derrière le cake? Non, on a rien de planqué. Parce que c'est vrai qu'on peut planquer derrière des trucs derrière le cake, hein. Carrément, regardez, il y a largement la place pour casser un bloc et mettre un bouton. Alors on est de nouveau de nuit. On a un panneau qui est ici. String stop. Ouais, ça, chorus fruit. Ok, d'accord. Les ficelles peuvent stopper. D'accord, ça c'est quelques petites astuces, je pense, pour la survie de Minecraft. Mais on n'est pas là pour ça. On est là pour étudier les meilleures cachettes de Minecraft. Ha! Meilleure cachette! Mes fesses, oui! Ok, high grade. Ok, XYZ, ok, blablabla. Ce sont les trajectoires. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé ici, mais j'ai l'impression de me connecter sur un serveur PVP faction qui est activé depuis 3 mois, tu vois. Non mais c'est ça, hein, tu te connectes toujours sur un PVP fac qui est ouvert depuis 3 mois, tu t'arrives, il n'y a que des tonneurs comme ça, tout est pété, alors... que ceux qui se connectaient déjà sur des serveurs comme ça peuvent le savoir. Petit clin d'œil. Alors... Seriously? Ok, il n'y avait pas besoin de parcours pour ça. D'accord. Ok, merci, merci monsieur, vous êtes méchant avec moi. Là, il y a une source, on va aller dans la source. Qu'est-ce qu'il y a dans la source? Oh, comment ça se fait que... Attends, il y a un endroit où on est pas du tout dans l'eau. Ah ouais, what the fuck? Il y a pas de bouton là. Ça aurait été trop facile. Auriez-vous... Alors, attendez, on continue. Attends, j'étais là, j'étais parti pour aller super vite là. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un bouton, sûr. Allez, montre-toi. Peut-être là. Non? Rien du tout. Ok, alors là par contre j'aurais vraiment cru qu'il y allait avoir un bouton. Parce que bon, il y a une petite source de lave comme ça en mode suspect. Footpix. Oh, il y a une mine. Il y a une mine. Ok, il n'y a rien ici. Qu'est-ce qu'il y a derrière le bandeau là? On peut pas y aller. Oh là 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 là. Level 10 to escape. Oh non. On a des retours en prison. Alors là mon pote, pas mal. Je me suis tellement évadé plusieurs fois que je connais toutes les techniques par cœur. Alors voyons voir, attends. Hop, allez, ça c'est fait. Déjà d'une, jamais laisser un levier au bord de ma cellule. Alors Jack Cell. Ok, bonjour Jack. Jack, où es-tu Jack? C'est la cellule du Joker. Ok, Jeff. Ouh. A mon avis, ça va être un truc planqué sur Ali. Tu vas voir. Tu vas voir. C'est sûr. Ou en dessous un bureau. C'est sûr, Athènes, c'est sûr. Tu le vois à 10 km, la planque. Ah, y a plein de leviers. Ah, attends, ça se trouve, les leviers, ça va à quelque chose. Ouais, peut-être pas, en fait. Peut-être pas, en fait. C'est juste décoratif. Mais je teste quand même. Parce que si ça se trouve, je tourne en rond depuis tout à l'heure. Ça, là, on peut pas l'ouvrir. Très, très bien. On va aller par ici. Qu'est-ce qu'on a, là? C'est la cantine. C'est la cantine. Et là on a... Ok, le bureau. On a le bureau. C'est trop stylé. La salle de sport. Très bien. Très 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 bien. On va retourner ici, la pièce principale. Nike. Ok, rien du tout. Celle-ci on peut pas y aller. Et celle-ci on peut pas y aller. D'accord. Bon, on va monter à l'étage. On va monter à l'étage. Michael. Oh. Oh oh! Alors là, ça m'intéresse. Oh! Évasion! Oh l'évasion! C'est pour ça qu'elle est vide la pièce. Où est-ce qu'on est? Oh! On est dans le bureau! Le bureau du directeur.
Qu'est-ce que c'est que ça? Cantine. Oh, on a ouvert toutes les... Attends, on va le prendre, mais on va pas le lire tout de suite. On a ouvert toutes les... tous les trucs. On a ouvert la cantine. Ah, attends, qu'est-ce... Ok, ça donne de la bouffe. Oh, on peut vraiment tout ouvrir, quoi. C'est ouf. Je me suis dit, attends, c'est pas possible. C'est pas embêté à faire tout ça pour rien. Qu'est-ce qu'on a ici? On va pas pouvoir s'évader par la cantine, quand même. Ça serait n'importe quoi. Allez. Allez, on fait le tour. On snipe. Ok, y'a rien ici. Robe. Y'a rien sous la table. Ok, alors attends. Pas par la cantine. Attends, c'est trop easy par la cantine. Par la salle de sport. Punching ball. Ok, non, y'a rien. On va quand même fouiner derrière. Ok. Rien du tout. Tout dalle. Alors attends, c'est ouvert quel, quel truc en fait? Gym, cantine, shower. Ah mais j'ai pas vu les douches. Elles sont où les douches? Peut-être à l'étage. Attends, on va voir, on va faire le tour. Non, 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 ça n'a rien à voir. Ah, faut aller dans les douches. On va aller dans les douches, les gens, on va aller dans les douches. Où est-ce que c'est les douches? Ah, c'est... Eh non mais, attends, je te jure que j'ai pas vu où sont les douches. Peut-être à côté de la salle de gym. Même pas. Bah, et là alors? Ou alors, faut passer par la cantine. Bah non! Attends, fais voir un peu. Je l'entends au-dessus. Bah! What the fuck? Je l'entends au-dessus! Ah, c'est là. Shower. J'avais pas vu! J'avais pas vu! Ok. Alors là. On va tout désactiver. Ça sert peut-être à rien. Mais si ça se trouve, il y a un piston. Voilà. What? J'entends une TNT. Oh, oh, oh. Oh là là. Oh, la véritable évasion. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Encore de la TNT. Oh, c'est stylé. C'est trop stylé. Et là il y a un autre. Il y a un truc qui se planque. Non? Ah, parce qu'ils aiment bien faire des farces. Et ben voilà! On s'est échappé de la prison et on a fini la map! Oh là 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 là! Eh, c'était trop cool! Trop cool! Congrats for beating the map! Oh là là, c'était trop cool! Maintenant, tu peux être en créatif et voler. Wouhou! Wow! Ah oui, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, c'est ça la prison! Ok. Ah bah, ça fait peur, hein. Ça fait peur, j'avoue quand même que ça fait peur. Ah, c'est moins rassurant quand même de l'extérieur. Eh ben écoutez, les amis, c'est tout pour cette petite map, pour ces 10 petites cachettes très intéressantes de Minecraft. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Alors j'avoue que j'ai quand même bloqué à certains niveaux. C'est bien, tant mieux j'ai envie de dire, parce que sinon, bon, hein, ça veut dire que je serais vraiment à 100% expert à Define the Battle. Mais j'ai encore appris de belles petites cachettes aujourd'hui. En tout cas, c'était vraiment splendide. Eh bien écoutez les amis, si vous aussi la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo ainsi que vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous remercie infiniment les amis d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Ciao ciao les amis.